Aux chanteurs, oui. euh, je, je, je leur dis pour moi, vous êtes des acteurs. Oui. Jamais je n'écris une chanson euh, pour euh, pour le disque, par exemple pour le studio. Évidemment, j'espère qu'elle sera enregistrée en studio, mais euh, je leur dis toujours je les vois en scène, je les vois jouer la chanson, je les vois la dire. Et évidemment, quand on a la chance d'avoir des Certains compositeurs miraculeux, euh, ça fait. Quand on dit, est-ce que les feuilles mortes et Prévert ou Cosma, ce sont les deux, évidemment. Et puis l'interprétation de gens comme Yves Montand, mais euh, euh, on est tellement inspiré. Montand, je me rappelle, je parle de lui parce qu'il m'a accueilli, pardon. Euh, <coughs> en, dans l'extrait que tu as donné de cette chanson, l'addition que j'avais écrite pour lui au moment où il avait un, un de plus, un problème maximum, et euh, ça s'appelait l'addition, l'addition de toute une vie, etc. Il finissait sur le mi Prévert. Et, et, et lui m'avait 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 dit fais-moi une chanson, fils. Euh, euh, hey, tu écris des chansons pour les autres, et moi alors qui je suis Bon, alors bon, je m'étais mis au travail, puis j'avais trouvé cette idée, et puis Michel Legrand était arrivé derrière et avec ses, ses son interprète son, son imagination magique pardon je suis un, un peu ému alors donc, boum je me prends dans les mots euh, il, euh, il avait écrit Michel cette musique extraordinaire brillante quand, quand vous écrivez sur votre table, c'est toujours l'écrivain à la table, à la table, à la table, à la table. On a beau dire l'inspiration, ça n'existe pas en tant que tel. Il faut travailler, travailler, travailler et chercher. Et quand on arrive à un moment où on n'en peut plus, euh, quelquefois on a la chance de voir, je me rappelle tout d'un coup, après des mois de recherche, je m'entends, j'allais chez Claude Sauter. On, on faisait un film pour Remix qui s'appelait Une histoire simple. Et j'étais dans, dans ma voiture, dans des virages comme ça. Puis je passais interminablement la, la musique de Julien avec ce qu'on appelle du franglais où il chantait euh, « The night, oh, goodbye ». Des trucs comme ça. Et puis à l'auteur de ce qu'elle est su, puis tout d'un coup, je m'entends, je l'entends faire « femme ».« Femme », je me dis ça. C'est autour de cette chanson qu'il faut construire, autour de ce mot, de cette syllabe qu'il faut construire la chanson. Jamais je ne peux écrire, avoir cette idée, euh, avoir cette visite gracieuse de l'oiseau bleu qui n'existe pas, euh, si ce n'est pas Julien Claire. Jamais j'ai écrit cette chanson pour euh, Johnny Hallyday ou pour Michel Sardou, pour qui j'ai travaillé par ailleurs. Parce que pour eux, « femmes je vous aime, ça veut dire ah, toutes les femmes m'aiment bon, ». Tandis que c'était une chanson <laughs> sur la timidité, sur la réserve que Julien et moi, euh, qui nous nous sommes beaucoup parlé dans notre vie, beaucoup confi confié l'un à l'autre, euh, sans jamais d'indécence. Euh, ma préférence, jamais on s'est dit, il jamais il m'a dit tu l'as écrite à propos de Miu-Miu, pour Miu-Miu, et moi jamais je lui ai dit, t'as bien compris que c'était l'histoire de toi et moi, jamais, 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 tellement on est timide et réservé l'un par, par rapport à l'autre. Et lui et moi, nous partageons vis-à-vis euh, -vis des, des femmes à la fois cette réserve, cette réserve, euh, et ce désir intense. C'est ce qui a donné l'idée de, de cette chanson, mais jamais, jamais je n'en ai... Cette idée, encore une fois, ne me vient si ce n'est pas Julien Clerc. Sardou, c'est impossible. Johnny, c'est impossible. N'importe lequel euh, d'entre eux. Quand tu avais la gentillesse de parler de Jean Gabin, qui peut dire sans que ça soit prétentieux, je sais, je sais, il n'y a, a, a que lui. S'il n'existe pas, la chanson ne vient jamais au monde, etc. Et mon temps, c'était pareil. Je parlais de cette chose parce que ça m'a ému, ça m'a accueilli. Je me rappelais plus ce, ce document. C'était dans une émission de Jean-Christophe Averti quand il Coupé là et qu'il bah, qui envoie tous ses vers avec cette espèce d'autorité d'artiste, de grand artiste qu'il était, c'était enfin, très, très émouvant pour moi. Voilà. On va s'arrêter un instant sur euh, quelqu'un à qui on doit la musique de chansons qui sont patrimoniales le jazz et la java, mmh. Nougaro, mmh. les petites femmes de Pigalle, Serge Lama, mmh. nous les amoureux, mmh. lauréats du mmh. concours de l'Eurovision. Une petite fille Absolument. en pleurs, papa, papa. -pa 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 -pa. Jean-Claude Pascal. Eh bien, cet auteur, bien oublié, mais qu'on a aperçu, enfin oublié, il ne s'est jamais mis en évidence. Ce compositeur, compositeur magnifique qu'on aperçoit ouais. à un moment aux côtés de Régine, ouais. c'est Jacques Datin. Ouais. J'aimerais que tu parles de Jacques Datin parce que c'est avec lui que tu as fait la première chanson, me semble-t-il, de ta carrière. Le, le petit garçon. Voilà. Jacques était un, un ami de mes parents. Et moi, petit garçon, petit jeune homme, on allait souvent le dimanche dans leur maison de campagne, Jeanne, Jacques et Madeleine Datin. Euh, ils ont un fils qui s'appelle Philippe Datin et qui serait très ému de, de voir ces images. Et euh, c pour moi, c'était un ami de mon père et de ma mère. Il m'aimait beaucoup. Euh, avant que j'écrive quoi que ce soit, il m'appelait toujours mon poète. Alors, comment tu vas, mon poète Ça va Je les études Bon, très bien. Et puis, le, un jour, donc, Serge Reggiani m'appelle et me dit euh, Voilà, je voudrais que vous m'écriviez une chanson parce que. J'ai 48 ans, j'ai enregistré des, un disque de chansons de Boris Vian, et maintenant je voudrais mes chansons à moi, avec des auteurs et des compositeurs à moi. Et je ne vais pas aller faire mon marché, évidemment, auprès des auteurs de Gilbert Bécaud, les prestigieux auteurs qui étaient Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, grand, 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 grand parolier, et Louis Amad Maurice Vidalin, grand parolier, on ne parle Pratiquement jamais de lui, mais c'était un grand auteur. Moi, j'admirais beaucoup l'auteur le, le, qui est capable d'écrire de, de, euh, des, des vers avec des rimes aussi gaies que ça. Marseille, tais-toi, Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Un jour, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille, des grands auteurs. Alors, euh, courageusement, Serge lui, grand interprète de Sartre au théâtre et, et de Becker et d'autres, euh, Casque d'or, etc., il veut faire de la chanson, à son âge. Alors on était en pleine époque est encore. En pleine époque est. Alors, je lui dis, vous savez, monsieur, je suis très honoré, mais je ne sais pas écrire des chansons. Il me dit, c'est pour ça que, euh, que je viens vous voir, parce que, justement, je veux des auteurs nouveaux. Alors, il s'était adressé à Georges Moustaki, euh, un peu à Gainsbourg, qui n'était pas tellement nouveau que ça, mais quand même nouveau. À moi, Totalement euh, nouveau, notamment dans la, dans la chanson. Et, et il me dit il faut aller vite parce que nous sommes vendredi et je passe en première partie de Barbara à Bobino mardi prochain. Alors. Alors, pour le pauvre garçon qui n'a jamais écrit de chanson, vous voyez. Euh, et et, et c'est pour ça que je me, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais commencé à travailler pour le cinéma. Je crois que j'avais déjà écrit les, les choses de la vie. Euh, et. J'ai eu le réflexe, mais je suis pas sûr d'en avoir été conscient sur le moment, de ne trouvant pas d'idée. Je me disais quand même, je veux pas lui, il n'y avait pas de musique, lui, lui faire chanter euh, des, une chanson le tube de l'été euh, quand on dansait, jamais je n'oublierai, machin, etc. Mais que faire chanter à Serge Rédiani Et je me suis aperçu que je vais écrire un petit scénario à vrai dire, l'histoire d'un homme euh, quitté par sa femme et qui se retrouve avec un petit garçon dont il ne sait pas se servir. Et euh, il essaie de faire du feu, il n'y arrive pas. Il essaie de jouer à des choses, il n'y arrive pas. Enfin, j'écris mes paroles tellement vite pour moi, qui déjà pas le speedy Gonzales de l'écriture, mais alors là encore plus pressé par le temps, que il euh, y a il y a même des des, des vers qui n'ont qui ne riment à rien, si j'ose dire, qui n'ont pas de rime. Exemple, quand il dit on est là tous les deux seuls. Bon, je dis ça parce que Philippe Noiret me chambrait toujours après en me disant ah mon Jean » Quand j'entends cette chanson, on est là tous les deux, seul. Il le être. Et c'est vrai que, que je n'avais pas de dictionnaire de rime. J'en ai acheté un depuis, évidemment. Bon. Et comme tout le monde, mais je n'avais pas de dictionnaire de rimes. Et de tête, je me dis, qu'y a-t-il comme rime à seul, ce mot qui est une espèce de cariatide du couplet avant le refrain tu sais Attends, qu'y a-t-il Et je, je trouve dans ma tête, en effet, après vérification, longtemps après dans le dictionnaire de rime, il y a... Tilleul, glaïeul, épagneul, gueule et linceul. Oui. Ça vous met en jambes. Hein, quand, euh... Alors, qu'est-ce qui se passe finalement Je me dis, on est pressé, pas de rime. Et, et dans cette chanson, le mot seul et tout seul, il n'a pas de rime. Et encore fallait-il, on en arrive à cet homme merveilleux euh, dont parle euh, mon ami Olivier. Euh... Et euh, Serge me dit, vous savez, je suis tellement occupé par les, avec mon orchestre pour apprendre les autres chansons, les orchestrations, les, les lumières, etc. Il faut que vous trouviez, vous allez bien trouver, il faut que vous trouviez un musicien. Alors moi, je connaissais personne. Et je me rappelle Jacques D'Atin, l'ami de papa et maman. Et je dis à mon père, tu as, tu, tu as toujours le, le numéro de Jacques bah, Évidemment, il me dit, je le, le vois, euh, nous le voyons couramment. Et je l'appelle. Tout ça se passe quand on pense, tout ça se passe avec une simplicité. Quand on pense maintenant, quand vous, voulez, quand vous voulez travailler, vous avez une idée de chanson pour une chanteuse ou un chanteur, même les plus gentils, les plus délicieux, il faut passer tous les cercles. Vous savez, comme ma grand-mère, quand elle jetait des marrons sur le feu avec son pic-feu, il y avait des cercles sur la cuisinière comme ça. Qu il faut passer par les attachés de presse, par les agents par le kiné et si vous avez une chance quelquefois la meilleure amie de la petite amie du kiné doit voir le chanteur mercredi alors elle va, elle va lui dire qu'éventuellement vous allez la là... enfin bon à cette époque là c'était pas compliqué un numéro de téléphone on appelait serge Reggiani va lui donner son numéro de téléphone il habitait rue de Sévigné là au bain douche là près de la place des près place de la Bastille et euh... Et moi, j'appelle mon Jacques, je lui dis, Jacques, euh, voilà, euh, Serge Rédanier, voilà, voilà et je lui raconte mon histoire. Il me dit, alors, mon poète, eh ben, écoute, passe-moi les paroles par téléphone. <laughs> et, et, C'est ce qui s'est passé. Il a posé son téléphone, c'était les téléphones, en, bah, téléphones anciens, sur son piano, et puis il a pris un, un bout de papier, puis je lui ai dicté par téléphone ce soir. Alors, moi, j'avais... Le seul métier qu'on m'ait jamais enseigné, c'était le métier de journaliste. Quand j'étais dans le groupe de Pierre Lazareff, on m'avait dit, vous savez, c'est la fameuse règle où, quand, comment. Euh, dès le début d'un article, il faut que le, le lecteur euh, sache de quoi il s'agit, quand est-ce qu que ça se passe, et à quel endroit, etc. Puis après, on, on peut écrire son reportage, son enquête ou son interview. Et. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire mieux à cet égard, euh, comme, comme mon, mon ancien élève de cette grande école de Pierre Lazareff. Le début de ma chanson, c'est ⁇ Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison. ⁇ Je donne même la météo, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, tout est dit dans les, dans, 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 dans les premiers mots. Et euh, alors, Jacques... Datin note ça, bon, comme tu ressens. Euh, euh, je ne sais pas, je ne me rappelle jamais mes paroles. Euh, elle, 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 elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Euh, mais là, on est là tous les deux, seuls. Bon. Euh, alors, il note ça, et puis le lendemain, c'était vendredi soir. Le lendemain, vers midi, il m'appelle. Chose inverse, il me dit Écoute, euh, on n'a pas le temps de, de, de se voir, je vais te la chanter, tu vas me dire si, si ça te plaît il me, il me la chante. Alors, il avait ce génie de savoir se couler dans les, 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 les paroles de, des auteurs. Enfin, moi, j'ai eu cette chance inouïe avec lui. On a fait une vingtaine de chansons ensemble. Après, pour Serge, notamment, L'Italien, Hôtel des Voyageurs, etc. etc. Euh, euh, il, il avait ce génie de trouver des mélodies simples mais qui qui d'une manière tellement fluide parce que quand on a des paroles c'est pas tout ça il faut il faut trouver une musique un refrain et trouver cette si jolie mélodie ta da 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 ta da 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 comme tu le ressembles, on est là tous les deux on va jouer on va bien jouer ensemble on est là tous les deux seul ce soir euh, je ne sais pas faire du feu mon enfant mon oh là là là. Attends, je sais, les histoires. Tout ça. Sa mélodie à elle-même est une histoire d'amour. C'était merveilleux. Alors, là-dessus, euh, bah, ça se passe d'une manière très simple. On va chez Serge le dimanche, euh, donc euh, 11 euh, rue de Sévigné, euh, dans, les bains, dans les anciens bains douches. Euh, mon grand Jacques, qui ressemblait à un grand oiseau comme ça, là, se met au piano, il chante la chanson. Et Serge dit... Oh, ça me plaît beaucoup. Il était tellement doux. C'était un homme, Serge Reggiani, c'est l'artiste le, le, le plus tendre, le mieux élevé, le plus délicat, euh, euh, le plus humble euh, que j'ai jamais rencontré dans notre métier. Et euh, avec beaucoup de simplicité, il nous dit, ça me plaît beaucoup, maintenant il faut que je me dépêche pour que la chanson soit orchestrée. Vous savez, l'orchestration, c'est très important. Une fois que vous avez la mélodie, une chanson, vous écrivez la mère. vous vous appelez Charles Trainet, et vous écrivez Dauphin, Mire Dauphin, Tandin, Et puis vous avez auprès de vous un orchestrateur qui s'appelle Gérard Lasserie, absolument inconnu du public, qui écrit, puis, qui Lasserie, public, qui écrit puis, Dauphin, Pom Pom Pom, 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 pom. C'est ça l'orchestration. C'est magnifique, c'est un grand talent. Et les, les musiciens et les chanteurs et chanteuses tiennent beaucoup à, à avoir des orchestrateurs de haut niveau. Et à eux tout seuls font quelquefois le, le succès de, de la chanson. Alors euh, voilà, bah Serge nous dit il faut vite que je cours euh, pour voir mon orchestrateur, répéter avec l'orchestre. Et le mardi après-midi, en première partie de Barbara, moi, je suis au promenoir, vous savez, les promenoirs, c'était cette barrière qui est, euh, à laquelle on s'appuyait, cette balustrade plutôt, au fond de l'orchestre, des places à 5 francs ou à 2 francs quelquefois, euh, où quand on ne pouvait pas se payer une place, on s'accoudait, puis on pouvait bouger et voir les artistes, et surtout les chanteurs. Et il y en avait à, à Bobino, et je suis là, et pour la première fois de ma vie, j'entends l'orchestre qui attaque l'intro. Dan dan, 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 Et mon Serge avec son toujours son blouson de cuir blanc qui arrive avec ses yeux de coquère comme ça ce soir avec sa main ce soir mon petit garçon mon enfant mon amour inoubliable.